Claire Chazal, après le JT de TF1 puis Entrée Libre, elle s'offre un nouveau job sur la Côte d'Azur. Claire Chazal a été élue présidente du conseil d'administration du Théâtre Liberté à Toulon, dans le Var, mardi 19 décembre. Le maire de la ville Hubert Falco a salué cette élection. L'avenir sourit à Claire Chazal. Depuis qu'elle a quitté la tête du JT de TF1, la journaliste de 61 ans poursuit son chemin en se spécialisant dans la culture. Elle anime depuis 2016 Entrée Libre, émission quotidienne diffusée sur France 5, durant laquelle elle interview des artistes. Elle ajoute une nouvelle corde à son arc. Mardi 19 décembre, elle a été élue présidente du conseil d'administration du Théâtre Liberté à Toulon, dans le Var. Une élection saluée par Hubert Falco, le maire de la ville. L'élection de cette personnalité reconnue et appréciée des Français est une chance pour le Théâtre Liberté. Aux côtés de Charles Berlinguer et Pascal Beaudelin, les compétences et l'expérience Claire Chazal contribueront au rayonnement culturel de Toulon et de notre territoire, a-t-il tweeté. Comme le rappelle Var Matin, Claire Chazal connaît bien le Théâtre Liberté pour y avoir participé, en 2015, à une table ronde autour du thème du dépassement de soi. Début novembre, la journaliste avait remplacé Christine Angot dans On n'est pas couché, sur l'antenne de France 2, aux côtés de Yann Moix et Laurent Ruquier. Sa prestation avait été appréciée des téléspectateurs, sur Twitter, Claire Chazal a provoqué un engouement massif.